chica. No, stealing, but still. They connected with them. Stealing is to be the dinner.
la seule pour réalité, mais c'est au moment de la mort. Nous sommes là pour entourer de nos prières et de nos affections la famille. Et surtout, nous sommes là pour écouter l'évangile de celui qui a vaincu la mort. Car nous savons tous aujourd'hui, Dieu l'a appelé à lui, Monsieur Slavin Ramendi. Louons notre Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindouilles ma tête et ma coupe de force. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je remettrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Fais-nous connaître à cette heure que tu as triomphé de la mort.
Fais tourner notre regard vers toi, Jésus-Christ, et non vers nous-mêmes, qui est faible et limité. Fais naître et croître en nous la confiance de ta résurrection, afin que nous ne détournions pas de ton chemin. Éclaire-nous par ton Esprit Saint, et rends-nous attentifs à ta parole. Par Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire successivement Psaume 73, verset 25 jusqu'au verset 28, puis Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 26, et le livre Apocalypse, chapitre 14, verset 12 jusqu'au verset 13. Au nom du Seigneur, quel autre est-ce au ciel que toi? Et sur la terre, je me prends plaisir en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, qui réduisent au silence ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge en le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. » C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suit. Amen. » Ensemble nous disons, « Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. » Je vous invite à vous lever. Nous chantons le conflit qui nous vient.
et le même Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il y a deux ou trois semaines, personnellement, j'ai rencontré là dans la rivière celui qui vient de nous quitter. On a parlé de beaucoup de choses, mais surtout de la vie de l'Église, de la vie de la nation. Avant cette rencontre, moi, j'avais une autre image de lui. Mais lors de cette rencontre et à l'issue de cette rencontre, au fond de lui, j'ai vu un artiste, un patriote, mais aussi un croyant, mais à sa manière. Deux semaines après, il est décédé. Je ne vais pas raconter cette rencontre aujourd'hui. Mais la famille a choisi ce passage du livre de l'Apocalypse. Je lis au nom de Jésus. Heureux, dès maintenant, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Un verset compris a priori comme affirmant un légalisme selon lequel Dieu juge ou Dieu va juger les hommes selon ses œuvres, et que c'est donc les bonnes œuvres qui sont la source du bonheur. Il faut d'abord savoir que ce passage fait partie, si on lit à partir du premier verset, ce passage fait partie de cette voix des anges, voix céleste, que l'apôtre Jean a entendue, à la fois comme le grondement d'un fort coup de tonnerre, mais aussi comme le chant d'un joueur de harpe touchant son esprit. Au lieu de parler de celui qui vient de nous quitter à nous quitter, parlons plutôt, en lisant ce passage, parlons plutôt de nous qui sommes vivants, car justement ce verset peut être compris comme s'adressant aux vivants, un verset qui parle des vivants, mais des vivants qui acceptent de mourir dans le Seigneur dès maintenant. Surtout que cette disparition de notre chair peut s'annoncer à la fois comme un coup de tonnerre, mais aussi et en même temps une musique qui retentit et contenant un message à travers lui-même, un message venant de Dieu. Mais quel est ce message? Si on pose la question par rapport au verset, au passage que la famille a choisi aujourd'hui, que veut dire heureux les morts, ceux qui sont morts dès maintenant dans le Seigneur? D'abord, il faut avouer que ce verset est vraiment paradoxal. Car d'un côté, la mort est considéré comme le dernier ennemi qui ne ramène que des douleurs et des malheurs. Et de l'autre côté, comment ça se fait que les peines, les labeurs cessent, tandis que les œuvres, pas les fruits, mais les œuvres suivent. Donc elles continuent. Revenons tout d'abord à l'arrière-plan du livre de l'Apocalypse pour tout comprendre. Tout le monde sait très bien, quand on parle de l'Apocalypse, c'est le livre de la fin, des catastrophes, la fin du monde, et ça fait peur. En regardant le défilé avec comme titre à l'Apocalypse, en lisant le livre de l'Apocalypse, des catastrophes, ça fait peur.
exprimant avec cet œil qu'on doit regarder ce livre, exprimant avec cette manière-là qu'on doit lire ce livre. Il faut savoir que ce livre est écrit par l'apôtre Jean dans un contexte bien précis, dans une histoire bien précise, c'est-à-dire au temps de l'Empire, au temps de l'Empire romain. L'Empire qui vivait en ce temps-là, dans ce qu'on appelle Pax Romana, ou la paix romaine. Et on avait comme leitmotiv, Rome est éternelle, d'où les grands édifices, d'où le dicton bâtir à la romaine, des édifices bâtis pour durer éternellement, car Rome est éternel. C'est ce qu'ils pensaient. Du coup, l'Empire ne connaissait pas du tout la notion de fin. Parce que quand Rome est éternel, ça veut dire quoi? La fin. F-I-N. C'est Jean, l'apôtre Jean, dans son livre, qui a apporté cette notion plutôt étrange pour les habitants de l'Empire. Mais il ne s'agit pas de la fin du monde. Non. Peut-être qu'il y a quelques liens. Mais plutôt la fin de ceux qui vivent à la manière de l'Empire. Il ne s'agit donc pas de la fin du monde, mais la fin du principe, de la manière de vivre, de l'Empire. Injustice de toutes sortes, corruption, esclavage ou néo-esclavage, en parlant de notre époque, vie centrée sur l'amour de l'argent, de la richesse, la soif du luxe, un besoin accru de se démarquer des autres au point de les écraser, etc. L'apôtre Jean ne parle donc pas de la fin du monde, mais la fin d'un monde. La fin d'un monde, de cette manière de vivre de l'Empire, et la naissance d'un autre, d'une autre manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre est inaugurée par les œuvres de Jésus-Christ mort sur la croix, que le livre de l'Apocalypse appelle également la mort. Plutôt de nous. Est-ce qu'il peut expliquer de nous que nous sommes heureux? Car justement, ce verset peut être compris heureux en s'adressant aux vivants, un verset en disant aux vivants, un peu plus rapidement, il y a ce verset. Déjà, le mourir, il y a deux terres dans le Seigneur, dès maintenant. Et puis, dès maintenant. Surtout de cette disparition dans le Seigneur de notre chère, que c'est maintenant qui est compris à avoir la convaincre de la réalité présente de l'Empire, mais aussi l'injustice de tout son instant, mais toujours relatif à l'Église qui présente l'œuvre du Christ sur la terre, un message inauguré à travers de lui-même. Il faut savoir que depuis que Jésus a été crucifié et ce message et ressuscité selon les Écritures, se pose la question dans un maintenant, au passage sur la première chose aujourd'hui, dans un maintenant caractérisé par la victoire sur le mal, les morts, ceux qui sont morts en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 6. Maintenant, c'est le salut, le règne de Dieu et le pouvoir de son Christ. Mais en quoi? Et comment la mort de Christ nous apporte-t-elle le bonheur et nous rend heureux? Quelqu'un qui était mort il y a 2000 ans en Palestine peut-il procurer le bonheur pour moi aujourd'hui dans ma vie à Madagascar? Comment ça se fait? Et comment ça se fait que moi-même, mourant dès maintenant dans le Christ, constitue également mon bonheur? Un élément de réponse est apporté par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Quand il dit, l'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous. Un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts.
tous sont morts. Toi, moi, les autres sont morts. Et ton âme particulièrement. Car nous aurions plutôt attendu et sans doute préféré un seul mort pour tous et donc tous sont vivants. Qu'est-ce qu'on préfère? Creusons un peu plus cette affirmation de Paul qui peut nous éclairer par rapport à notre passage de l'Apocalypse. Et traduisons en première personne du singulier. Christ est mort pour moi, donc je suis mort. La mort de Christ sur la croix, dès lors que je me l'approprie comme étant quelque chose pour moi, a un effet bien particulier qui consiste à me faire mourir, c'est-à-dire littéralement à faire mourir le moi. Mais qu'est-ce que donc ce moi qui meurt? Très souvent on le confond avec le sujet, c'est-à-dire avec ce qui fait que nous sommes chacune et chacun des êtres singuliers, unis, aimés de Dieu, et dont l'identité secrète est protégée de toute forme de capture. Or, le moi, c'est autre chose. Le moi, c'est l'image que nous donnons à voir aux autres. Le moi, c'est la personne, du latin persona, masque de théâtre, personnage, rôle à jouer. Le moi, c'est donc le rôle social, professionnel, conjugal, familial, religieux, rôle que j'assume plus ou moins bien dans ce monde, devant les autres. Le moi, c'est ma manière de vivre qui se conforme plus ou moins à celle de ce monde. Or, dès lors que Christ meurt pour moi, c'est-à-dire pour cette image que je dois avoir aux autres, et pour cette manière de vivre copiée de ce monde, il entraîne dans sa mort la mort du moi, de l'ego, du persona, et s'opère alors un déplacement décisif dans mon existence. Je ne vis plus pour moi, mais pour le Christ. La mort du Christ me décentre donc de moi-même pour m'orienter vers un autre que moi. Mort à moi-même, mon ego ayant été crucifié avec le Christ, je vis actuellement pour un autre que moi-même. C'est-à-dire, j'expérimente la vie véritable qui est une vie ouverte sur autre chose que moi-même, autre chose que ma manière de vivre, cette manière vaine de ce monde, toujours centré sur le moi, l'ego. Donc, moi aussi, en tant que croyant, comme l'apôtre Paul, je peux affirmer, tout comme chacune et chacun de vous qui croit ou qui décide de croire, Christ est mort pour moi, et donc je suis mort. C'est en mourant en moi-même, en mourant à ma manière de vivre, centrée sur l'ego, dès maintenant, dans le Seigneur, que je puisse être heureux et vivre autrement. Car la résurrection que nous pouvons recevoir dès maintenant ici-bas, sans exclure sa dimension future, au-delà de la mort, c'est pas recevoir une autre vie, non. C'est vivre autrement. Vivre autrement, pas à la manière de ce monde, pas à la manière de l'Empire. Et c'est ce qui peut nous exhorter, nous réconforter, malgré les souffrances et les douleurs, qui constitue notre réalité quotidienne, une brèche s'ouvre. Une brèche s'ouvre dès maintenant. Aussi, notre fête aux croyants, à chacune et chacun de nous, est donc d'ouvrir notre existence, ici et maintenant, à une espérance qui s'inscrit au cœur de la réalité et ouvre ainsi une brèche jusque dans l'au-delà. Le chrétien, tout comme chaque personne qui s'approprie de la mort de Christ, comme lui, comme Christ lui-même, inverse ainsi le sens de son scénario de vie, alors que la mort, la vie de son corps, s'amenuise progressivement jusqu'à s'éteindre dans la mort, la vie de Christ
croix jusqu'à sa plénitude, quand il se dressera devant son Dieu. Il faut donc savoir que la foi chrétienne, la foi en la résurrection, la foi de Pâques, n'évoque pas magiquement le peur de la mort, ni les questionnements par rapport à l'au-delà. Elle nous permet plutôt de fonder notre vie autrement et d'affirmer ainsi que même confusément la nouveauté de vie en Christ ressuscité perce dans ce vieux monde et nous fait mourir à notre manière de vivre, de copier à partir de la manière de ce monde. Nous vivons donc non plus à la manière de l'Empire, sous son pouvoir, mais une autre manière centrée sur l'amour des autres, centrée sur la bonne nouvelle de Christ crucifié, du Christ ressuscité. Seconde chose, second paradoxe, qui se repose de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. C'est quoi donc cette notion de repos de nos labeurs, pourtant les œuvres continuent? Il faut donc entendre de ce verset que repos d'un côté, œuvre de l'autre, ne sont pas du tout deux réalités qui se succèdent l'une après l'autre. Non. C'est au cœur de cette réalité qui est la nôtre, constituée des labeurs, des œuvres, des souffrances, des deuils, des difficultés de toutes sortes, qu'advient une autre réalité. C'est au cœur de l'une qu'advient l'autre, une autre réalité qui est le repos. Et le repos, c'est pas quelque chose à prendre littéralement. Le repos symbolise et représente une réalité céleste, constitue la promesse divine, une réalité de cette vie en Christ qui fait donc irruption au cœur de notre réalité, de notre réalité quotidienne. Le salut ou être sauvé, il ne s'agit donc pas de fuir en dehors de ce monde, une fuite en dehors de ce monde, non, pas du tout. Le salut nous permet plutôt d'habiter la terre, mais autrement. Habiter la terre au nom de ce qui n'est pas là, au nom d'une autre réalité, celle de la véritable vie en Christ, centrée sur l'amour des autres. Aussi, notre vie, notre réalité n'est pas enfermée sur elle-même, mais ouverte à autre chose, à une autre réalité, à une autre promesse. Aussi, et c'est ce qui nous permet de nous conduire autrement, d'agir comme si nous étions déjà à la fin, devant le jugement dernier. C'est ce que Bultmann, un théologien du XXe siècle, appelle l'existence eschatologique. L'eschatologique vient du terme eschaton et eschatos, qui veut dire fin. Donc notre existence doit être une existence eschatologique, c'est-à-dire il exige que ce soit dans l'aujourd'hui, dès maintenant, qu'il y ait un rapport au jugement dernier. Il faut que chacun sache qu'il doit rendre compte de lui-même et de ses œuvres maintenant, comme s'il était au jour du jugement dernier, et cesse donc de se comporter à la manière de l'Empire. Je répète, la manière de l'Empire. Injustice de toutes sortes, corruption, esclavage, néo-esclavage, vie centrée sur la lutte de l'argent, de la richesse, la soif du luxe, un besoin accru de se démarquer des autres au point de les écraser, etc. Dieu nous met donc, par le biais de Christ, par le biais de la croix, de la mort de son Fils, de la résurrection, du message de l'Évangile, Dieu nous met en sécurité en enlevant tout ce que nous considérons et construisons nous-mêmes pour être nos sécurités. Bien-aimé en Christ, l'Évangile nous appelle à la foi en la résurrection. Mais quand on parle de la foi, il faut plutôt entendre, plutôt le sens de confiance. Pas un contenu dogmatique, je crois en ceci, en cela, non. Au sens de confiance.
La résurrection que l'Évangile prône n'est pas l'ordre du savoir ou de la connaissance, personne ne sait ce qui va se passer au-delà de la mort, même moi, après les quelques années de théologie que j'ai faites, je ne sais rien de ce qui va se passer au-delà de la mort. Parce que la résurrection n'est pas de l'ordre du savoir ou de la connaissance. Toute description de ce qui va se passer au-delà de la mort n'est que transcription illusoire, voire des spéculations. L'Évangile nous invite plutôt à faire confiance. Et la résurrection, c'est de l'ordre de la confiance. Confiance en une parole qui dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Confiance en une parole qui dit « Je suis la résurrection et la vie. » Et cette confiance renouvelle notre manière de vivre. Nous invite à nous décentrer de nous. Frères et sœurs en Christ, dans cette vie, dans notre société actuelle, comme autrefois, pour les uns, larmes, pleurs, souffrance et deuil, tout cela se pisse avec les quelques joies pour constituer leur réalité terrestre. Pour les autres, ils cherchent par leurs propres moyens, justes ou injustes, à la manière de l'Empire, des fois ou très souvent, ou tout le temps, des artifices pour fuir la réalité et leur donner l'illusion qu'ils ont déjà une vie écartée de toute difficulté. Mais au final, chacun à son tour, nous serons tous rattrapés par cet ultime point d'ordre. Cet ultime point d'ordre qui n'est autre que la mort. Or, au cœur de cette réalité qui est la mort, qui nous fait souffrir, au cœur de cette réalité vient une autre parole. Une parole de vie pour dire la mort. Une parole de vie surgit au cœur de cette réalité. Christ est mort, il est ressuscité. Et heureux de maintenant ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Cette proclamation de la résurrection de Christ, Christ est ressuscité, fait donc événement de vérité et réorganise ainsi, fait tourner ainsi autrement la vie pour celui qui reçoit dans la foi cette parole. La proclamation de la résurrection, vu notre réalité quotidienne, résonne alors, résonne comme une parole qui s'inscrit en faux, comme une fausse note, contre la fatalité et le désespoir, et laissant ouvert, impossible, quant à vue humaine, tout semble clôturé. La proclamation de la résurrection opère une ouverture dans les contingences de ce monde. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut comprendre à la parole de Paul, si nous espérons en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les autres. Tant que nos existences n'ont pas d'ouverture à autre chose, à une altérité, tant qu'elles se limitent à ce qui est constatable et admis comme évidence ici-bas, tant qu'elles s'épuisent dans une simple jouissance des biens de ce monde comme faisait l'Empire, alors nous sommes malheureux parce que mort, quoi qu'en apparence, vivant. Bien-aimé en Christ, le bonheur que connaît la Bible ne suit pas du tout la logique mondaine. Non. Il ne s'agit pas de combler par des artifices ou les produits de nos actions le vide, le manque dans notre existence. Non. Le bonheur, selon la Bible, selon Dieu lui-même, il ne s'agit pas d'être comblé, ni vivre dans la félicité comme des dieux. Non. Le bonheur vient pour celui qui creuse dans son existence, qui creuse dans sa vie une place nécessaire pour que quelque chose d'autre. Le bonheur
vient pour celui qui creuse dans son existence ou qui assume le manque, sa finitude, et fait confiance à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, à une parole, la parole de Dieu. La dernière question que pouvons-nous donc, ou encore attendre, qui est au-delà de ce que propose la société consumériste dans laquelle nous évoluons, que le message de cette musique céleste qui nous invite à offrir notre existence, à fonder notre existence sur quelque chose d'autre, touché par la résurrection de Christ, que le message de cette musique céleste trouve son écho dans notre orchestre, ici-bas, dans notre manière de vivre. Mourir à nous-mêmes, dès maintenant, dans le Seigneur. Recevoir cette réalité nouvelle symbolisée par le repos au cœur de nos labeurs quotidiens, c'est ce qui nous réconforte, même dans les pires souffrances. Parce que notre réalité, nos souffrances, ne sont pas fermées sur elles-mêmes. Toute situation est devenue perméable à la présence divine. Vivre autrement, habiter la terre autrement, au nom de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire de l'amour sur la violence, une résurrection qui soit autre chose qu'un fantasme infantile d'immortalité et de toute puissance, mais le pari de Paris, qu'une autre vie, une vie imprenable est encore possible dès maintenant, une vie qui vainc la mort et qui a vaincu la manière de vivre de l'Empire. Cette vie est encore possible, mais seulement en Christ Jésus. Dire, comme l'apôtre Jean, qu'on cette voix céleste qui retentissait du ciel, heureux, dès maintenant ceux qui sont morts dans le Seigneur, Seigneur, c'est fonder sa vie autrement. Fonder sa vie sur Christ et sur sa manière de vivre. Car c'est seulement en Christ que la mort est déjà vaincue. Fonder sa vie ailleurs qu'en nous-mêmes, ni que par nous-mêmes, ailleurs, c'est-à-dire en Jésus-Christ, car même la mort n'épuise pas cet ailleurs. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Dieu notre Père qui es aux cieux, nous t'invoquons compte dans la foi et dans l'espérance de la résurrection des morts. C'est vers toi que se tourne nos cœurs meurtris. Tu vois nos larmes et toi seul peux nous consoler. Demeure en nous, accorde-nous ta paix, ton repos. Tu es le seul en qui nous pouvons trouver refuge. Nous mettons notre confiance et notre espérance en toi. Renforce-nous afin que nous puissions témoigner de ta puissance. Par Jésus-Christ qui a vaincu la mort, nous t'en supplions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, afin de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la compassion, mais délivre-nous du mal.
toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, donc c'est cette parole de résurrection qui peut réconforter chacune et chacun de nous et nous invite en même temps de nous offrir, d'ouvrir notre existence à une autre réalité qui peut advenir dès maintenant au cœur de notre vie quotidienne. C'est seulement la solution, la seule brèche à cette douleur, à cette tristesse qui se tisse pour former notre vie terrestre. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, je parle au nom de cette paroisse, la paroisse internationale d'Andouane. Donc j'invite en même temps les représentants de cette paroisse, les responsables, à se tenir devant pour présenter nos condoléances à la famille endeuillée. Donc chaque famille, depuis le décès de Tsar à la ville, les familles se sont déjà succédées là où on a déposé le corps, à la Bibliothèque nationale, où moi-même y étais, quelques familles y étaient. Mais à part cela, la paroisse internationale d'Andouane réitère encore toutes ses condoléances et vous présente notre communion à ce qui vous est arrivé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et qu'il vous donne cette assurance, cette espérance vous permettant d'aller de l'avant dans la joie, mais également dans la foi. Et c'est notre souhait. Et que chacune et chacun de vous sache fonder sa vie sur Christ, pas sur nous-mêmes, pas sur notre capacité, pas sur notre réussite matérielle ou provisionnelle, mais seulement sur Christ qui a vaincu la mort. Et que cette résurrection soit effective dès maintenant pour chacune et chacun de vous. Et de nous. Donc au nom de la paroisse internationale, nous vous donnons un symbole de notre communion. Mais sachez que notre prière, nos affections vont vers vous, surtout durant ce moment difficile, moment de deuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis, donc selon l'organisation au sein de cette paroisse, donc c'est en toute humilité que je prends la parole devant vous au nom de toute la famille. Toute la famille remercie chacune et chacun de vous, chaque famille respective, mais particulièrement toutes les églises, entre autres la FJKM Andouane, FJKM Parpé, FJKM Partenocade, que j'ai croisé moi-même à la Bibliothèque nationale hier, et toutes les autres églises et institutions religieuses. La famille tout entière qui a également à présenter toutes leurs reconnaissances envers la présidence de la République et tous le président lui-même et sa famille, ainsi que ses collaborateurs, tout le président et tous les personnels de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement actuel, mais aussi des anciens ministres qui sont là aujourd'hui. La famille tout entière présente également ses reconnaissances pour toutes les institutions ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales et même également les artistes que j'ai vus nombreux depuis hier. Que Dieu vous bénisse. Et la famille se sent incapable de vous donner en retour quoi que ce soit, de vous récompenser, mais leur souhait d'abord que Dieu fasse de votre vie témoin de sa grâce, de son amour, de son abondance. Et puis, le vif souhait de la famille, que ce soit un autre événement, un événement de joie qui nous rassemble, rassemblera dans l'avenir, pas un moment de deuil comme celui-là. Et s'il y en a parmi nous qui peuvent encore accompagner la famille jusqu'à l'incinération, soyez-en remerciés.
si pour telle ou telle raison, telle ou telle responsabilité, vous devez vous arrêter ici, on vous réproche rien, parce que tout ce que vous avez fait est déjà très essentiel, très important pour la famille tout entière. C'est pas la souffrance, c'est pas le deuil qui réjouit la famille, non, c'est votre présence, votre affection et votre amour. Que Dieu vous bénisse. Donc après, donc je vous remercie. Après ce culte, tout d'abord les personnes qui ramènent les fleurs, les photos et les diplômes encadrés et puis les cercueils sortent en premier, suivi de la famille proche qui va se tenir à la sortie, mais seulement ceux qui sont vraiment obligés d'encourager la famille qui n'ont pas encore fait ou qui n'ont pas encore présenté leur condoléance à la famille, qui vont encourager la famille à la sortie. Mais sinon, nous pouvons sortir par la porte à la droite ou sortir directement entre le prochain événement à l'extérieur. Et puis après, la famille proche va être suivie, ils vont être suivis par les pasteurs, les officiants, et c'est après tout cela que l'Assemblée sort, sans protocole. On est dans une église. Ce n'est pas pour délivrer qui que ce soit, mais c'est seulement les officiants qui sont considérés comme ayant une place qui s'écarte, pas plus importante, qui s'écarte des autres, mais sinon, tout le monde est dans un pied, sur un pied d'égalité dans la maison de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant final, mais avant cela, je vais prier. On remercie la famille tout entière qui a donné des enveloppes, des dons en offrande pour la paroisse internationale. Soyez-en tous merci. Thank you.
Qu'importe que la mort nous mette des chaînes, si l'esprit continue libre comme la mer. Qu'importe qu'elle écrase les lampes, si elle ne peut tuer la lumière du soleil. Qu'importe, frère, que la colombe meure, si elle laisse ses colombines voler. Qu'importe que la mort nous tue, si nous laissons une semence d'aurore. Qu'importe, frère, car en Christ, la mort triomphe, et c'est la vie qui a le dernier mot. Heureux celui qui vit dans l'amour. Heureux celui qui meurt aimé. Si tu meurs, tu m'aimes encore. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Et prions en silence. Remettons ensemble notre vie, celle de notre famille respective et celle de notre pays entre les mains de notre Seigneur. À Dieu seul soit la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sortons selon les consignes qui nous viennent d'être données tout à l'heure. Merci.
Tom klasi, tom kovavi, irusu amlanu na pazakana, amnifandula na marpudata isigavitini, kuwa magata kampana zana, rimatua ministri ni kultai, papurukurguna ni asatana, anufevu na mfakwa, hitarka isa. Slav na nalaindim. Amin'ny anaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Herina Jaunarimampianina. Sady filoha faratampon'ny maroboninahim-pirenena ary araka ny fahefana izay nomenanay izahay Jean-Jacques Rabenirina. Ministry ny kolontsaina fampiroboroboanany asa tanana ary fiarovana ny vakoka dia manandratra anao hoe amin'ny laharam-boninahitry ny grand officier de l'ordre national malagasy. Faran Danuna. Ajan, say, auka. Tom klasi tokovavi. Tobirka sumatana ni fan luna ni marpunata. Kua ankeitini amni fuga fanau amni fitona taakaisau. Ari indrindra tsy nolo-pona koa izay mandao antsika ankehitriny
antaterana ny diantany itodiana lasa iatrehana ankehitriny mba hitanjinana ny ho avy dia mbola mangataka mpanajanahy ny andriamatoa minisitry ny kolotsaina sy fakorobolony asatanana ary ny fiarovana vako isika hiroso amin'ny fandorana voafintina ny tantaram-piainany. Tsy lavina rahalay indimby, naissance 11 août 1946, né dans une famille de 6 enfants et a grandi en Boisarkeli, en Tsaravoula, père d'une famille recomposée de 5 enfants. Un rocher s'écroule, un monument, c'est en un mot le qualificatif approprié à Tslav Naralaindip, décédé à l'âge de 72 ans. Une personnalité hors du commun, comme il en existe rarement. Raintsi, c'est un professionnalisme reconnu à l'unanimité, une compétence recherchée, une carrière exceptionnelle embrassée avec passion et engagement, axée sur le sport, la culture, le journalisme, la communication et la politique. Un patriotisme inaltérable, un soif de partage sans pareil, une modestie et une humilité légendaires. C'était un homme accompli, humaniste, conseiller, mentor, créatif, généreux, promoteur culturel. Les nombreux témoignages et les hommages rendus sur les réseaux sociaux prouvent bien que les superlatifs ne sont pas exagérés à l'endroit de ce qui avait présenté le journal télévisé de la TVM dans un malgache pur et impeccable, avec une maîtrise et éloquence incomparables, bien avant PPDA, un moment immanquable à l'époque. Oui, Raintsi était un fervent défenseur de la langue maternelle plutôt par l'acte que par les discours. Son journal était un régal pour les puristes, un récital pour les profanes, dans lequel la culture a disputé à la passion, les mots avaient un poids, les phrases un sens. On lui doit le mot « Sera Sera » avec lequel il baptisa son département ministériel où, avec la regrettée Gisèle Labessahal, il était le seul ministre bien à sa place. Raintsi était d'ailleurs un professionnel comme pas deux dans le journalisme, intransigeant sur son indépendance. C'est ainsi qu'il avait claqué la porte à la TVM des buts en blanc lorsque le pouvoir révolutionnaire voulait lui donner des ordres. Un départ sur un coup de tête sans penser au lendemain. Mais la panoplie de Raintsi était telle que sa reconversion était une simple formalité, que c'était reculer pour mieux sauter. C'est lui qui avait fait les premiers reportages télévisés de rallye, le premier reportage sur le groupe Mahaléo en 1972, le parolier du groupe Hazmi Droub Kampamarina, du tube Raman Begalona de Lolo Sintarn, du promoteur de plusieurs artistes malgaches internationaux. Des acteurs illustrant son patriotisme ou nationalisme prolétarien. Aussi bien le groupe Mahaléo que Hazmi Droubka reflétait l'aspiration populaire de cette époque. Il va continuer son engagement politique avec le mouvement Mahaoun, sous la bannière duquel Dame le groupe du Mahaléo était élu député en 1993. Raintsi était également un des artisans des succès des troisièmes Jeux des îles en 1990 et des troisièmes Jeux de la Francophonie, en 1997, dont il était le chef du département communication avec son ami Schulte Donnerville, qui l'a précédé il y a 4 ans. Le pays pleure véritablement. Un de ses illustres fils, prodige Raintsi, était dans ses domaines ce que Rad Eratsimamaga était dans les leurs. Un génie. Chantre des idées, source intarissable d'imagination, bastion de la création, pape de l'innovation. Raintsi avait toujours la fraîcheur de ses 18 ans
de sa façon de penser, ce qui explique sa facilité de contact avec la nouvelle génération qui reconnaît son apport inestimable. Raïnsi était un contemporain de toutes les époques. Autant son physique ne faisait pas son âge, il n'avait d'ailleurs pas de cheveux blancs avec sa boule à zéro. Autant il savait conjuguer de passé, de composer au présent de l'indicatif pour un futur très simple. Oui, c'est vraiment un rocher qui s'écroule, comme il habite en bouille de Pamarine. Le rapprochement avec l'actualité et la métaphore en rapport avec son gabarit ne lui aurait pas déplu. En ce qui concerne sa formation professionnelle média, 1967 à 1969, formation en tant qu'animateur de programmes TV au studio École Okora Maison Lafitte Paris. Parcours professionnel média. De 1970 à 1990, animateur de programmes à la télévision nationale, journaliste reporter, l'image, d'image, chant, actualité, présentateur du JT, producteur, environ 200 grands reportages et documentaires réalisés dans tous les territoires. Grands reportages internationaux, Chine, Brésil, Afrique, Océan Indien. De 1993 à 1995, ministre de la Culture et de la Communication. C'est à lui qu'on doit le concept de patrimoine et créativité. Première loi sur le droit d'auteur et droit voisin. Implémentation du code des investissements à la création des stations de radio et télévision, d'agences à communication dans le cadre de l'ouverture du paysage médiatique national et international. De 1995 en 2000, directeur général de la première station de chaîne TV payante, Africa Pay TV, Afrique du Sud. Depuis 2000, senior consultant en communication. Référence en tant que senior en communication. De 2012, conseiller en communication et team leader de l'agence Artcom pour le déploiement de la stratégie de communication de Madagascar World. Consultant en communication dans le pool d'experts pour le repositionnement d'Antananarivo dans le tourisme durable avec la CIA-IMV. Consultant, conseil en communication et relations publiques de JICA, la coopération japonaise. 2010 en 2011, consultant pour la stratégie de communication de EDAL, transfert d'argent, planète finance. Conception et direction de campagne de communication pour le produit sur eau PSI. Facilitateur recruté par IRG International Resource Group pour l'atelier environnement, mitigation et management plan avec l'USAID et l'ONG Salut. Conception et direction de la campagne de communication pour le repositionnement de Top Réseau PSI. Facilitation de l'atelier sur les énergies renouvelables du VVF. Conception et réalisation du film pour la semaine du système des Nations Unies. Coordination générale des travaux de réactualisation du code de la communication pour le compte du PNUD. 2009. Coordinateur des travaux de réactualisation du code de la communication PNUD. Révision de la stratégie nationale de communication 2007-2012 du CNLS-VIH-SIDA. Conception et rédaction du document de capitalisation de la stratégie de communication de la lutte contre le travail des enfants BIT-IPEC. Conduite d'ateliers et coaching pour la création d'outils de communication de handicap international. Consultant en communication pour l'élaboration de la stratégie de communication de stratégie nationale de microfinance CNMF PNUD. L'année 2008, conduite des ateliers de formulation de la stratégie de communication de la lutte contre le travail des enfants
BIP IPEC, Antananarivo, Tulia, Tomas, Mahadzang et Antsirana. Conception et direction des événements commémoratifs des 40 ans du CITE, réactualisation du logo, co-animateur de l'atelier pour la communication parlementaire Assemblée nationale PNUD, conception et production des outils de communication du FIB. De 2006 à 2007, conseiller en communication et team leader de l'équipe engagée par le projet PIC, Pôle intégré de croissance pour la stratégie de communication. Responsable du volet communication dans le consortium Facette BV de Pays-Bas, Valagri Hartkov pour la stratégie et le programme IEC de MCI en faveur de la microfinance. 2005, conseil en communication auprès de la Direction générale des arts, création du département en communication et du slogan actuel de la société arts. Conseil en communication auprès du comité de réflexion sur la réforme des organes de contrôle de l'État. Conseil en communication de QMM et ça dans la phase entreprise. 2004, conseil en communication du comité de réflexion sur la réforme des organes de contrôle de l'État. Conception du film Madagascar et NeoVision, co-réalisation avec les États-Unis pour le ministère de l'Environnement. Conception et réalisation du show Nidiani Manani Latan pour la Journée mondiale de l'environnement 2004. Réalisation du film tiré du show. 2003, conception et rédaction du booklet synthétisant le code des aires protégées de VVF Angap. Conception de support de communication de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité à Madagascar. Conception et production des supports pour le VVF Angap au Congrès mondial des parcs des Durban. Conception et production des supports pour la Banque mondiale au Congrès mondial des parcs des Durban. Conception et coordination de la journée éthique et administration pour le compte du ministère de la Communication avec PNUD. Élaboration du document Limites et contraintes des médias dans leur contribution à l'édification d'une société démocratique. Atelier sur le code de la communication en février 2003. Ministère des Télécommunications, Postes et Télécommunications avec PNUD. 2002. Conception, rewriting et régie de production de la brochure réussite du plan environnemental de Madagascar, ONE. Coordinateur de la communication pour la campagne de lutte contre le feu de brousse avec VVF et l'USAID. Conduite de l'atelier national ANGAP VVF, septembre, en vue de la production du manuel de communication stratégique de l'Association nationale des aires protégées de l'écotourisme. Production du document technique de référence pour la promotion de l'écotourisme LDI octobre 2002. 2000. Conception et finalisation régie de production du document final du symposium international sur le financement durable des aires protégées. En 1998, co-facilitateur de l'atelier stratégie de communication de la politique environnementale d'ateliers régionaux pour le même thème en 1998. 1997, directeur de la communication des troisièmes jeux de la francophonie. 1990, directeur de la communication des troisièmes jeux de l'océan Indien. Je vous remercie. Et Isolotika, un des matos ministres, les Kourtang, ce n'est pas pour vous donner cette année-là, à Ari, ni faire voilà en fac, tam ni fan d'où on a saï, d'autant à peine, n'est-ce pas? Kumarana ni la nuna arapanza kapta na tiyatiketit. Izokusa tiyanis ni fanresana nzara avi amni miyana ta amre usana ni amni tiftono iti. Tsimalal,
Efa nankatsy sokatra amin'ny vavako nefa toareko foana ianao mibitsika hoe masahira misy tianao ambara. Ny manavantanana dimy mianadady dia miantso anareo mivady hoe tsisy ny anisan'ny fahalalana nomenao izany. Ny kapoka sy ny rotsakazo ve tsy izy kanefa dia efa mihoatra mety ny nataonay vao tonga amin'izany. Na dia tsy misy mahaizavakanto azy izay dimy mianadady dia lehibe sy ny aina tanteraka tao anatiny. Singaniko manokana eto nitarika jomakampamarinana, tarika rosy, lolosyny tariny, eriky manana, tarika maleo, lehibe niaraka tamin'izy ireo izahay. Fahalalana tanteraka ny fomba nitaizanao anay. Teo foana ilay hoe aleo izy ianao izay tiany. Maro ny sorena, kanefa izany fomba hita izay ny fomba hitanao ahafahany maha olona ao anatinay ivelatra. Misaotra tsy. Gaga sy talanjony zahay raha naharesy mahita. Reto vahoaka maro be CCN milaza fa nampianarinao sy nobeazinao. Taiza sy tamin'ny fotoana inona satria toa teo foana ihany ianao. Vitanao ny nanambatra nanomboka hatrany amin'ny farantavony ka hatramin'ny madinika indrindra. Ireto vahoaka iranosy mahatsiaro banga ary izahay mba ahoana ilay fahaizanao mamaholana ampahatoniana sy ao anatin'ny fampimehezana tsy foinay. Ilay fahaizanao mandamina sy mandrindra ny fiainanay ankolaka tsy foinay. Ilay fahaizanao manoro anay ny fomba fandresen-dahatra tsy foinay. Ilay tsikinao rehefa betesina amin'ny fifoana sikara tsy foinay. Ary rehefa mafy ny ady dia hoy ianao hoe reveo manja. Fantatro fa eo ampitsikina ianao izao miaino ny retiretiko. Izay ianao izay mandriam-piadanana tsy. Salama tompoko. Tana marangarina indimby, mitondra ny teny fianakaviana ary koa mitorapoko manokana. Tsy zokiny tokoa aho fa zandriny ary tena zandriny. Fialantsiny dia iny fa nentin'ny dady miaraka aminy. Tadidiko voalohany momba ny dady, rentsy, tsitsy, tsy lavina dia ny fizarany tsy misy fetra ny arentsaina. Nizara amin'ny olona rehetra tsy vakivolo, te hifanakalo hevitra, na hitafa aminy izy, na olo malaza io, na olo tsotra io, na inona taonany, na inona fiaviany, finoany, heviny, safidy ny ara-politika, satria tsy olobe na olo madinika no hitany fa olombelona aloha. Tsy be resaka amboloana izy na sanatria ity mampiranty ny fahalalany na ny heviny. Ny toetra amin'ny voalohany dia fahaizana miaino, mahatsapa ny olona sy ny tontolo iainantsika. Notantarainay indray andro izay fa matetika rehefa mandeha fiarakaretsaka iny izy ka mitafa amin'ny mpamily, mafana ny dinika dia miangavy mihitsy ilay mpamily: aza tonga dia midina ramose, fa andao mba hotoizina kely ilay resaka. Tsy maninona na votsotra karama kely aza aloha, tena mahafinaritra ny resantsika. Hainy tokoa ny mahita ny harena tsy voavidy vola amin'ny tsirairay izay nafojony tany lalany. Izay harena izay no fototra anorenany ny fifandraisana sy ny fifakanalozana. Izarany ilay fahendrena sy viana nafahatarantsika azy. Tia olona izy, fa i dada tsy olona mora maneho ny fitiavany mivantana aminao. Tsy mifatravatra izy fa omeny soritra kely ianao, tsy kely teny mampiome omeny dimy na dona kely famantarana hoe milaisika. Raha naheno ireo mampitiavana sy fankasitrahana be dia be nandritra n'izay andro vitsivitsy izay aho dia izao no tiako lazaina aminareo izay mbola tonga eto an-drany, na koa ireo rehetra tsy eto fa miray fo aminay: tiny anareo, fofeny fitiavana ny fony dady, nanome fafinaretana hery sy aingam-panahy ho azy ny niara-niasa, ny tafatafa, ny aino, niara-dita aminareo. Izany no reko tamin'ny tantarana ampitainy tamiko isaky ny fandray izahay ary tena tsapako. Ny fitiavako ny kolontsaina ny maha malagasy dia toetra nolovaiko noho ny fitiavan'ny tany, ny kolontsaina malagasy, ny vahoaka malagasy. Rehefa tany ampitan-dranomasina aho dia matetika ny fampitantsamoraiko miodina eo amin'ny sotoavina kolontsaina, zavakanto, ny fifandraisan'ny olombelona ary Madagasikara ny resakay. Tsapako fa loharanonkarena tsy misy toa azy ireny, ka hoy aho taminy ombienyombieny: dada, manokafa sekoly, manorata boky,
miaram sarah amin'ny tanora ampitanao izany hevitra rehetra izany. Ny veriko fa raha tsy nisy nampita io dia arena lehibe tokoa ny very. Tsy namaly izy fa nangina fotsiny. Koa talanjona, talanjona aho sady faly nandritra izay andro vitsivitsy izay nahare ireo teny ny famizarana fa ay efa voapitany tamin'ny tsirairay izay tandrify azy ireo ireo evim-baventy, ireo nofy, vina, sotoavina tamin'ireo olontsotra, namana, havana, mpanakanto, mpisehatra amin'ny aino aman-jery, sarimihetsika, tantaran-dampiazo, mpampita vaovao, mpandinika ny tontolo sy ireo maro tsy voatanisa satria izy dada dia tsy mba manana fijeritokana fa maro lafy. Ny lova napetraky dada dia toy ny raika bakimpitaratra koa raha miombina isika, miserasera isika, mifanakalo isika ka mahatambatra ireo vakimpitaratra ireo dia anjelatra ny vina mamelona aina ny maha olona, mamerina ny asin'ilay fanahy izay nankamaminy napetraky tsy lavina rainty tsitsi dada an-tampon-loha. Rehefa nihaino anareo aho tapaka sy namana mpanakanto mpiara-miasa, nanome voninahitra azy dia mahatsapa fa tena be tokoa ny vitany, betsaka tsara ary soa, kanefa eniko sy tsapako teo ihany koa fa mbola maro ireo revy mbola nokasainareo ho tanteraina. Ka izao no hamarano kely lahateniko ity raha sitrakareo. Oka isika mbola anoy ilay revy be amin'ny izay lova napetrany tamin'isika tsirairay ary ahay hiaraka andrafitra fiarahamonina mioro-paka amin'ny maha olona. Velominao dady, misaotra betsaka, fantatro fa any mizarytany ny olomanga ianao no niala sasatra ankehitriny. Sy tomboko vavy izay no mamarana ny fotoana izay natrehantsika teto amin'ity toerana ity, kanefa na izany azy tsy mety ny tsian'io tendrimavy avy amin'ny anaraka ny manontolo hofisaonana ny fitondram-panjakana manontolo, ny ministeran'ny kolontsaina sy ny fampiroboloana asa tanana amin'ny fiavana vakoka tamin'ny fandombana ny mahaboninahitra izay ho an'izao ray aman-dreny iombonantsika izao. Misaotra indrindra tompoko. Anterina ihany koa ny fisaoranantsika rehetra izay nanatrika teto tamin'ity fotoana ity. Fantatra fa misy amintsika ny afaka hanoy ny ity hoe ny anosy zato izay iverenan'ny vatana mangatsika ho amin'ny lavenona indray. Misy ihany koa ireo noho ny antony samihafa ny aditsy andraikitra ny an'ny fanjakana loloavina ny tena sakilena hoe isika malagasy tsy maintsy hamonjy ny asana andraikitra, tsy misy tsiny tompoko fa efa lehibe izay vitanareo teto amafisina reo fisaorana rehetra efa nireta indray mandre ny mpitandrina tato an-tranon'Andriamanitra. Saotra indrindra tompoko.
mananga isika angehitriny araka ny fandaminana. Attends, attends.